Mooney's up. But I'm going for a shooting today again for Red Revolver. And apparently there is a lot of traffic. Don't you know I'm loco? Tonight we are at the Grefelgar Hotel for a pillow fight, actually. So that's gonna be interesting. Plus the hotel is actually very, very nice. As you can see, this decoration is very, very interesting. Pour savoir dans quelle équipe vous allez être. Ah, on n'est pas équipe. Pour vous expliquer déjà, pour vous remercier d'être là, hein, d'avoir été capable d'affronter la honte, le jugement d'autrui. Deuxième chose, pour vous expliquer un petit peu les règles du jeu de la bataille de Polochon. Il va y avoir deux équipes. Une première session où on aura l'équipe 1 qui sera les attaquants, l'équipe 2 qui seront les défenseurs. Défenseurs attaquants de quoi? Alors c'est-à-dire qu'au premier étage en fait, on a plusieurs chambres qui sont ouvertes et les défenseurs vont devoir défendre cet étage et en particulier des balles de ping-pong. Et ils devront cacher à vue ces balles de ping-pong. Okay, la bataille peut commencer, c'est-à-dire que les attaquants qui seront ici et qui se commenceront à se monter le bourrichon, pour le champ. Une fois qu'ils seront bien chauds, à ce moment-là, ils montent au top, ils montent et ils vont dans les chambres au premier étage pour récupérer ces balles de ping-pong. D'accord? Battle is about to start. Alors, on est chaud patate? Chaud bouillant? Motivé? Chaud patate, là. Je sais pas sur qui je tape. C'est pas du crossfit. Jouez le gobelet. Allez, vas-y. Allez. J'en ai un autre. On est ensemble. Viens. On bloque la porte. C'est chaud. Prends le bras comme ça. On fait une chaîne. Si. Oh la violence. Viens avec nous. All right. Well, happy? Huh? Happy? Il se passe des choses dans ce monde. Salut. That's one good thing done. Here is a train station. A lot more quiet by night. But yes, good shooting, that was really fun. And see you tomorrow. Alors les gars, c'est le moment du pamphlet savon. J'ai un nouveau savon. Et alors celui-là, comme vous le savez, les gels douches c'est mal, c'est plein de produits chimiques. Les savons, ça lave tout aussi bien et c'est tout naturel. Parce que oui, un savon normalement c'est de la soude et de la graisse. Enfin un corps gras, hein, pas forcément de la graisse animale ou autre chose, mais un corps gras, donc ça peut être une huile. Et bizarrement, quand on le sort, allez, je vais le prendre, hein. Voilà, quand on le sort, vous avez un bloc brut, c'est pas joli, ça sonne pas rien de particulier, en fait ça sent exactement comme le savon qu'on avait fait en terminale, qu'on avait pris juste de la graisse et de la soude. Ça sent un savon nature. Donc voilà, je crois que c'est le savon le plus pur que j'ai pu voir de ma vie. Et ça va me laver. Voilà, hop, dans la douche. C'est la vie, les gars. On vous intoxique en silence.